Qu'est-ce que tu fais ici, hein? Tu veux pas venir avec nous plutôt? Non, je voudrais rester un peu seul. Tu peux partir, s'il te plaît. Lloyd, je suis ton frère. Dis-moi ce qui va pas, s'il te plaît. C'est juste que je suis un peu triste. Ça fait... Et on a perdu beaucoup de personnes. Taret, Yang, Zane, et notre père aussi. Mais aussi, on a perdu Mark. Et je peux te dire un truc à propos d'Aromi? S'il te plaît, le dis à personne, je t'en supplie. Compte sur moi, frérot, je le dirai à personne. Dis-le moi et je le dirai après. Que tu sois revenu du premier royaume, moi et Aromi, on a commencé à développer une relation. Après qu'on s'est occupé des samouraïs de glace, je voulais te proposer un mariage, mais malheureusement, ça n'arrivera pas. Lloyd, ne t'inquiète pas, je serai toujours là pour toi. Joy et Claire seront aussi là pour toi si tu veux. Merci, Glenn. T'es le meilleur. Et si on remontait encore en haut là-bas? Il nous attend peut-être? Ouais, t'as raison, Lloyd. Allons-y. Belang Garmato, ne fais pas des promesses que tu peux pas tenir. J'en serai certain. C'est bon, nous avons pris le métal que nous avons volé dans l'usine de métal de Ninjago, hein. Connais du jour. Connais le rock. J'avais oublié à quel point ça fait mal au dos, ça aussi. Hein? Là, ils doivent avoir beaucoup de métal. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ça doit être la commande pour la porte. Mais malheureusement, elle est qu'utilisable que pour les gens qui sont ici. Peut-être si j'utilisais mon pouvoir de manipulation pour voir si je pouvais ouvrir cette porte. On va essayer ça. Oh, j'avais oublié à quel point ça puise l'énergie. Mais j'ai pas le temps de me reposer. Non, qu'est-ce que je pense que le maître prépare? Il a dit que c'était quelque chose de gros, hein, et de géantique qui va arriver. Je m'en fiche un peu, hein. Le maître apporte toujours de bonnes idées. Je suis sûr que celle-ci ne va pas échouer. Enfin, il n'a jamais échoué, hein. Intérêt à ne pas échouer. Je suis ici pour gagner, pas pour perdre. Tu ne vas pas perdre, jusqu'à ce que tu sois avec moi et avec la Ligue de Changement. Kai et Skyler, maintenant qu'ils s'embrassent, Lloyd et Aomi, maintenant ça. Je me demande vraiment si Jay et Nia se sont embrassés une fois. Hein? Qu'est-ce que c'est? Qui a parlé? Ça doit être le sorcier, il n'était pas vraiment un fan de nous deux ensemble. Allez, on y va, ça devient trop bizarre ici. Oh, c'était chaud, mais bon, peu importe, je dois aller suivre. Je dois savoir ce qu'ils concoctent. Donc, Omen, apparemment, la célébration a bien commencé, pas vrai? Oui, la célébration a commencé depuis 4 minutes exactement. Hein. Les ninjas sont là aussi après notre espion. Hein. Mais aussi que d'après que j'ai vu ça sur Zack, on a découvert un nouvel art martiaux sur lui, sur Spinjitzu. Ah bon? Et comment s'appelle cet art martiaux que tu prénommes Zack sur Spinjitzu? Cela s'appelle le Super Saiyan Spinjitzu. Hein. Super Saiyan Spinjitzu, hein? Intéressant. Je voudrais remercier Yakunan de m'avoir amené à la ville. Mais je déteste de travailler avec ces amateurs. Écoute-moi, je sais pas ce que c'est ton problème, mais tu devrais arrêter de nous insulter. Avant que je te frappe et que je te tue, hein, avec de l'eau, hein. Tu ne me fais pas peur. Et c'est pour ça que j'aime ce type. Je le déteste aussi, mais je vous remercie de m'avoir libéré de la prison de Kitaria. Bien sûr, nous devons travailler ensemble si nous voulons gagner contre les Ninjago. Plusieurs ont essayé de contrôler la ville, Ninjago, mais ils ont échoué. Et certaines personnes disent que c'est innaturel. Kuitako Tako,
plusieurs personnes ont essayé, comme Yakuna l'a dit. Mais ils échouent à cause de ces maudits ninjas. Il n'y aura plus de ça, car j'ai travaillé sur ce plan pendant des années. Et je sais comment on pourra gagner cette guerre. Et comment nous pouvons te croire? Yakunan. Oh non. Car je sais qu'il y a beaucoup plus de possibilités. Et que je sais beaucoup de choses. Comme par exemple mon ancien élève, Zack, qui est derrière mon dos, caché derrière une statue. Oh non. Depuis combien de temps il était là? Romain et Organes, occupez-vous de lui. Avec plaisir, maître. Oh non. Zack Walker, tu dois être celui dont Yakunan part si tant. Dommage que tu l'as trahi en rejoignant les ninjas. J'aurais pu t'apprendre si bonne chose. Heureusement, c'est ici où t'apprends. On se retrouvera dans le royaume des défunts. Wow. Hein? Vous deux. Non. Ouf, je l'ai échappé belle. Ah oui, aussi. Merci de m'avoir sauvé la vie, hein. Je vous dois une offerte chandelle. Claire? Alors, ce que vous voudriez dire que... Salut, Zack. J'espère que l'œil des collins, nos deux frères, aille mieux, hein. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu enquêter quand j'ai vu des androïdes voler du métal à Ninjago, hein. À l'usine de métal de Ninjago. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est ça que je voudrais savoir. Ils s'appellent la Ligue du Changement. Et leur chef est Yakunan, un samouraï. Plutôt, le samouraï de la nuit, hein. Comment vous savez tout ça, toi et Joy? Nous nous sommes fait capturer pendant 3 mois ici, hein. Quoi? Moi et John, on a découvert un moyen de s'échapper. Mais sauf qu'on a décidé de rester pour savoir ce qu'ils planifient. Et les deux que vous avez, et les deux que tu as vus, hein, ce sont les deux qui nous ont capturés, hein. Est-ce que vous les connaissez? Les deux que tu as vus s'appellent Omen et Arganes. Mais malheureusement, on n'a pas pu savoir comment ils se ressemblent tous les deux sans leur masque. On peut parler de ça plus tard. Maintenant, on doit retourner à Ninjago, le plus vite possible. On n'aura pas le temps de faire tout ça. Mais le mieux, c'est qu'on pourra savoir ce qu'ils planifient après. Cool, t'avais raison. Ces nouveaux uniformes sont excellents. Qu'est-ce que je t'avais dit? En plus, le mieux, c'est la fin qu'il a fait. Il l'a fait à partir de dessins. Et en plus, avec des très petits prix. Je suis vraiment très impressionné par ce costume. Le fan qui a fait ça a vraiment travaillé durant des jours ou même pendant des années. Il y en a aussi un pour Kai, mais d'abord on doit le retrouver d'abord. Ouais, mais le mieux c'est que le cancer va commencer dans 2 heures, donc on a encore le temps. Ah, enfin je vous ai retrouvé. On aura de la compagnie. Et de la mauvaise compagnie. Oh non, là on doit vraiment retrouver Kai là maintenant. Je m'en occupe, je vais aller te chercher, hein. Je suis content qu'on passe beaucoup plus de temps tous les deux ensemble. Moi aussi, après 3 mois, on les a bien mérités, hein. Ouais, t'as raison. Tu veux qu'on aille chercher une glace? Avant qu'on aille chercher la glace, je pourrais te dire un truc? Oui, mais d'abord, moi aussi, j'ai envie de te dire un truc. Je peux le dire en premier? Oui, si tu veux. Ah ben, Kai... Ah voilà, te voilà, je t'ai enfin trouvé, Kai. On a besoin de ton aide. Et aussi, on a une nouvelle uniforme pour toi. Tu viens, s'il te plaît. Ah ok, d'accord. Désolé, Skyler, on devra reprendre ça une autre fois. Ah ok, d'accord. T'inquiète pas, je t'attendrai. D'accord, ça marche. À plus tard. Enfin, on y est arrivé. Il ne reste encore plus que 2 heures avant le concert. Oh, dommage que ma sœur ne soit pas là. Alors, ça aurait été trop bien qu'elle soit là. Donc, est-ce que c'est vrai que tu as le pilote original? Yes, je l'ai en VHD. Ah! Oh, allez, je n'ai pas si mauvais que ça. Bonjour, est-ce que vous êtes intéressé pour le VHD du pilote pour 20 francs? Je fais peur. Au revoir. Ed, ils ont l'air étranges, n'est-ce pas? Oh non.
Laisse ma famille tranquille. Gravité! Maman, papa, vous allez bien? Oui, on va bien, Zora. Ah, cool. Attention! Cartez-vous! Foudre! Hein? Comment ça se fait? Ta foudre n'a pas marché. C'est ce que je voudrais savoir aussi. Ça devient chelou, hein. Jay! Gravité! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh non, Edna, là cette fois-ci on doit partir. Mais à propos de Jay et Zora, ils iront bien. Nous on doit partir le plus vite possible. Laisse mon frère tranquille! Oh mon dieu! Merci Zora de m'avoir sauvé. Pas de problème, Jay. Je sais pas ce qui se passe, mais ces gars ont l'air vraiment invincibles. Ne t'inquiète pas, Jay, nous trouverons une solution. Nous les battrons. Ensemble. Hé, dégage, tu bouges la route! Je vous conseillerais de partir, on s'occupe de ça. Hiya! Hiya! Je crois que c'est bon pour l'instant, il est temps de donner à ces héros ce qu'ils leur méritent. Hein? Je peux plus bouger! Ah, moi aussi, je peux plus bouger! Je peux plus bouger! Je suis dans le même problème que vous, hein. Ah, je vais essayer de journée maintenant. Moi aussi, je suis dans le même problème que toi, Jay. T'es pas seul. Il semblerait que Nelson et Hiroko s'en sortent bien. On peut toujours peut-être les aider. Non, j'en doute. Regarde ça. Hein? Parfait. Le maître sera ravi de ça. Moro? Mais... je pensais qu'il était mort après qu'on l'ait battu. Et les maîtres de l'immobilisation, ça n'a aucun sens. En fait, non. Maître Oba a dit qu'il était dans le premier royaume, mais ensuite après, il s'est fait tuer là-bas. Ah, ok. Mais on doit partir. Vite. Go, go, go. Ici, on changeait d'endroit, hein, pas vrai? Bonjour les citoyens de Ninjago, cela fait du bien d'être ici. Mon nom c'est Yakunan, alias le samouraï de la nuit. Vous pouvez m'appeler votre sauveur. Notre sauveur? Mais de quoi tu parles? Vous aviez peut-être dû remarquer que Ninjago a des problèmes sur la protection. Cela inclut sur les attaques du Grand Dévoreur, Overlord, Garmadon, les Serpentins, les Oni, les Anacondra. Est-ce que je devrais en rajouter d'autres? Mais aussi, les samouraïs de glace récemment, là. Non. Mais que veux-tu faire? Qu'est-ce que tu essaies de nous dire? Ce que je veux dire, c'est que les dégâts qui ont été causés à Ninjago, là, sont terminés. C'est aussi une de ces raisons pourquoi nous avons enlevé certains ninjas, mais aussi certains maîtres élémentaires aussi, hein. Ça a l'air cool, une bonne idée, mais pourquoi avoir emprisonné les ninjas et les maîtres élémentaires alors? Ouais, ils nous jettent toujours si on a des problèmes. Même certains qui sont débiles. Peut-être, mais vous n'avez pas encore digéré ces événements. Qu'est-ce que pense votre mère de Ninjago, alors? Ah ouais, c'est vrai.
D'après qui on parle, on ne l'a plus jamais entendu. Le maire? Ouais, elle ne pense qu'à elle. Je l'ai trouvé caché sur son bureau, maître. Bonjour, monsieur Samouraï de la nuit. Si vous êtes celle qui est en charge de cette ville, qu'est-ce que vous avez fait de bon à cette ville, hein? Pas vraiment grand-chose, mais après l'attaque des samouraïs de glace, moi et le gouvernement, on a pensé à un truc qui serait l'acte d'enregistrement pour les ninjas. Oui, mais cela encore pourrait conduire à d'autres morts, pas vrai? Oui, mais ça, malheureusement, ça a dû être nul. Votre leader a été révélé et exterminé. Maintenant, ce sera moi, votre nouveau maître d'ici à Ninjago. Hein. Je sais pas ce que je dois ressentir là maintenant. On dirait que tu essaies de prendre contrôle de la ville. Nous te laisserons pas faire. Les ninjas sont forts. Ils t'arrêteront quoi que tout. Non! Tu le connaissais, Lloyd? C'est quelqu'un que je connaissais quand j'étais petit. Quelqu'un d'autre? Non, on ira bien. Et merci pour vos gardes. Oh, de rien. Vous allez vous réjouir de ce changement. Ceci est vraiment mauvais. Quelques-uns de nos amis sont partis, se sont fait capturer. On ne sait même pas où ils sont maintenant. Est-ce que tu connais ce gars, Yakunan, le samouraï de la nuit? Tu le connais? Non, je n'ai jamais entendu parler d'un Yakunan, samouraï de la nuit. Hein. Mais je ne sais pas ce qu'il veut, mais on dirait plus un nouvel adversaire. Si on a pu gagner contre les samouraïs de glace ou bien contre les autres adversaires avant, nous pouvons peut-être gagner cette guerre contre ces robots machin truc. Oh, salut Sarah! Ça fait longtemps, on dirait, depuis 3 mois. Sarah, t'as fait comment pour arriver à la ville? Est-ce que t'as le pouvoir de la téléportation maintenant? Non, tête de gomme! Je suis arrivé dès que l'attaque a commencé, hein. Pas avant. Eh ben, c'est ça la meilleure manière pour dire bonjour. Mais bon, peu importe. On doit avoir le plus d'alliés possible qu'on a. Est-ce que tu as dit alliés? Shade, Zora, vous êtes bien? Vous êtes pas fait capturer, hein? Malheureusement, les autres n'ont pas eu cette chance. Et Joe aussi s'est fait kidnapper malheureusement. Et aussi, vous inquiétez pas, vous aurez besoin de mon aide pour cette fois-ci. Hein. Et moi aussi, vous aurez besoin de mon aide. Et j'ai eu de la chance de m'échapper à temps. Ok, ninja. Là, on a du travail à faire. Je ne sais pas ce que Yakunan prépare, mais on va l'arrêter, c'est sûr. Nous avons des prisonniers. Nous les avons mis dans la cage. Des prisonniers. Parfait. Hein. Je vais être seul pendant un moment. Là. Tu peux les superviser pendant un moment. Pendant que le temps que je revienne. N'oublie pas, c'est moi qui ai fondé la Ligue du Changement. Tu es seulement le leader parce que je trouve que tu es un bien meilleur stratège et un bien meilleur leader que moi. Ne l'oublie pas. Peut-être, oui. Mais ce n'est pas une excuse pour la désobéissance. Souviens-toi de ça. Il peut être intelligent, mais il va devoir arrêter d'être arrogant et de me montrer du respect. Hein. Le plan a marché. Nous avons les prisonniers et l'équipe a fait du bon boulot. Hein. Tout le monde pense que c'est moi le vilain. Alors que dès qu'ils vous verront, c'est vous qui serez le méchant dans cette histoire. Hein. Et le ninja sera à nous, hein, pour l'éternité.